nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Alors justement, je suis allée à Action. Et là, il est énorme, il est cool. Il fait 100 points. Voilà, j'ai fait un tour à Action, j'ai trouvé plein de petites décorations pour compléter ma déco de la maison. Aujourd'hui, je vous éclaire avec ma lampe. On n'est pas sorti dans la journée, mais j'ai croisé mes volets parce qu'il fait super chaud dehors. C'est l'horreur. Du coup, voilà. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisée par Action. C'est ma carte bleue. C'est le petit ticket. Et bien sûr, en fin de compte, je regarderai sur le ticket de caisse pour vous dire vos les prix en fur et à mesure. Allez, on commence. Alors, on va commencer. Tiens, on va prendre ça. Alors, j'ai pris une petite fausse plante comme ça pour vous montrer. Super joli. Le vase est couleur un peu or. Vous voyez, un peu. Voilà. Et c'est une fausse plante. Il est super bien fait. Là, il faut cailloux collés et tout. C'est magnifique. J'adore. Je vous explique pourquoi j'ai pris ça après, en fin de mesure. Voilà. Et lui, il m'a coûté. Alors, ça va être super pour trouver là-dessus le ticket. Alors, il me semble qu'il m'a coûté 2,99 €. Au pire, je vous mettrai à peu près, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos bien correctement. Là, je vais vous dire à peu près parce que je vais mettre 100 ans pour trouver à peu près chaque fois les articles. Voilà. Ceci. Après, j'ai pris ça. Il est magnifique, il est tout en jour. Super joli, les petites plumes, voilà, il est super beau. Et ça irait bien avec mes cadres que j'avais achetés chez Maxi Bazar. Voilà. Et il m'a coûté. Il me semble 1,60 €. Un truc comme ça. À peu près. Je vous mettrai exactement les prix en barre d'infos. Je suis désolée, sinon la vidéo va durer 1000 ans si je suis là à chercher 1000 ans. Voilà. Et ça, pareil, je vous dirai pourquoi j'ai pris ça avec la plante aussi. J'ai pris aussi une fausse orchidée comme ça. Elle est magnifique. Vous voyez, hop. Là, c'est à régler. Voilà, avec un peu pot blanc. Pareil, la terre, elle est super bien faite. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Mais on dirait que c'est une vraie en fait. Elle est super jolie. Elle m'a coûté 1 € et quelques. À peu près, voire, allez, 2 €. Super jolie. Alors, si je ne me trompe pas. Ça en fait, c'est pour aller sur ma table basse et j'ai acheté, pareil, je vous montrerai un peu plus loin de la vidéo, le bac que je mets dessus avec deux bougies. Ça, c'est pour autre chose. Après, j'ai pris deux photophores comme ça. Super joli. Alors, un est un peu dans les no couleurs noires et lui dans le vert. C'est des photophores pareils. Où on le prend comme ça, mais moi je ne le suspendrai pas, c'est juste pour poser. Je vous montrerai le truc après en décoration pour la maison. Voilà, je mettrai vous savez, les petites bougies là. Voilà, et les petits pots, il m'a coûté 1 € et quelques chaque. Je vais essayer de voir si je peux vous trouver. Ah voilà, c'est ça. Alors la plante que je vous ai montrée en tout en premier, il est à 2,69, 62, pardon. À la lanterne, voilà. Ils sont 1,79 €. Voilà, ils sont pas très chers. Franchement, Action, c'est pas cher du tout. Et vous trouvez des jolies choses.
Après, je me suis trouvé deux petites bougies. Je vous en montrer une par une. Voilà, des petites bougies comme ça. Elles sentent super bon. Alors là, c'est la fruit de la passion. Ils sentent super bon. Vous savez, ça fait comme les bougies. Bougies, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle sent super bon. Après, comme ça sent bon. Est-ce qu'en brûlant, elle va sentir bon? Je sais pas. Mais super. Et la deuxième, c'est celle-là. Et c'est senteur jasmin. Voilà. Et pareil, ça sent super bon. Voilà, comme je vous dis après, vu que c'est la première fois que je les prends. Le comptoir de la bougie. Ah, mais je connais cette marque. Je crois que Massé Bazar, ils font cette marque, le comptoir de la bougie. Elle me dit quelque chose, cette marque. Je pense que Maxi Bazar font cette marque aussi. Alors, les bougies à l'unité, je les ai payées, je crois, 20 centimes. Si je vous dis pas de bêtises, hein. Bah alors. Ouais, je crois, je vous manquerai mieux. Bougie parfumée. Voilà, bougie parfumée, 1,88 €. Bon, je vous dis un centime, mais c'est 1,98 € l'unité. Franchement, ça vaut ça. C'est pas cher du tout. Après, je me suis pris. Alors, je sais pas où ils sont. Ils ont dû être en bas du sac. Pris des. Alors, je vous approcher. Je crois que je suis trop loin. Je vous approcher. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Des petits stickers comme ça. Vous savez, les petits rouleaux de scotch. Voilà, j'ai pris. Plusieurs, je vous montrerai tout à l'heure. Là, il y a plusieurs formes. Alors, un où il y a des paillettes, l'autre, il y a écrit Boss Bébé. Là, Yurl, je crois que ça dit comme ça. You Go Girl. Je sais pas, il y a l'anglais, si vous ne vous fâchez pas. Là, c'est des petites lèvres, des petites bouches, et là, c'est des cœurs. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. J'adore les petits trucs comme ça. Alors ça, par contre, je peux vous dire, je crois que c'est 99 centimes. Voilà. Là, et j'en ai d'autres, je vous montrerai après. Après, je me suis pris des stylos métalliques. Comme ça, avec plusieurs en bout. Et j'ai pris couleur rose, je crois. En flamingo pink. Et l'autre, c'est amber rose. Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est super joli. Pareil, ça m'a pas trop bien coûté. C'est dans les centimes. Il me semble qu'il m'a coûté dans les 94 centimes, comme ça. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Hop. Là, c'est le 14. Oh, focus. Voilà. Et là, c'est le 02. J'en avais déjà pris chez Action d'autres. Et ils sont super. Oh, il est super beau. Donc ça, c'est gros en bout et lamine fine. Voilà. Je les regarde tous parce que la dernière fois, j'ai eu la surprise. J'ai un verre que la petite mine ne fonctionne pas. Là, je regarde, mais là, ça donne de super. Il est super beau. Et moi, j'ai pas pris de feuilles. Ah, bah attendez, je vais faire son ticket. Oh, super beau. Je vais vous le montrer. Hein. Super joli. Regardez. Focus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est super joli. Ça rend bien. Voilà, comme je vous ai dit, il me semble qu'il m'a coûté dans les centimes 90 centimes, 88 centimes, un truc comme ça. Mais vous inquiétez pas, je vous marquerai tout bien en détail en barre d'infos.
Après, je me suis pris des lingettes pour nettoyer la maison. Bah, la maison. Donner un coup sur ma table basse, donner un coup sur ma table quand il n'y a pas trop de troubles, avant de finir de manger. Moi, je mets des essais de table, du coup, en fait, des petites miettes qui peuvent arriver sur la table. Un coup de lingette, ça suffit. Et après, quand je fais mon gros ménage à la maison, je donne un gros coup d'éponge sur la table. Mais là, ça, c'est super. Et ça prend un jour que je le prends. Alors, apparemment, c'est 100 euros pomme. Voilà. Et pareil, ma coupe d'un centime, il me semble 79 centimes, un truc comme ça. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos exactement le prix. Après, pareil, je me suis pris plusieurs bouteilles comme ça. Alors là, vous avez vu, j'ai commencé à le boire. Il est super bon. Du thé. C'est la marque Fuse Théa. Je vais vous montrer, je suis enlevée l'étiquette. Voilà. Aux agrumes. Il est super bon. Si je peux vous le conseiller, il est super bon. Pareil, les bouteilles à l'unité, ils font 0,99 centimes. Franchement, ça vaut le coup. Ça, je peux vous le dire parce que j'ai bien retenu. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs. Je vous montrerai. Ils sont dans le fond de mon sac et dans le sac. Je vous montrerai en détail. Alors, on arrive. Je me suis pris une petite table comme ça. Voilà, super jolie. Voilà pourquoi j'ai pris les photos forts comme ça, deux, et avec l'orchidée. En fait, c'est pour mettre là-dessus. En fait, derrière moi, j'ai mon bahut et j'ai un espace sur le côté. Et c'est trop vide. J'aime pas. J'avais pensé à acheter une grosse fausse plante, mais grande. Parce que moi, j'ai pas la main verte. Du coup, j'en trouve pas. Du coup, ou alors j'en trouve, mais ils me plaisent pas. Du coup, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? J'ai vu ça, je vois, oh, bah, tu vois, ça vaut le coup. Et il m'a coûté 3 euros, si je ne dis pas des bêtises. Ça, c'est le seul où il m'a coûté le plus cher parce que j'ai acheté ça. 3,99 euros, la table. Et la table, elle fait 22 cm en hauteur. Non. En largeur et en hauteur 27 cm. Voilà, moi ça me suffit pour mettre là où je veux, franchement ça suffit. Voilà, et c'est en métallique, je crois. Ah, table avec miroir. Ah, mais j'avais pas remarqué qu'en fait le fond de. Il y a un miroir. Et c'est en fer. Ouais, il est en fer. Et il existe en blanc et noir. Moi, j'ai pris noir parce que moi, ça va avec tout. Le blanc, j'ai peur que ça soit trop salissant. Voilà pourquoi j'ai pris les deux photos forts. En fait, c'est pour mettre là-dedans, plus avec l'orchidée au milieu. Voilà. Alors, je suis contente, j'ai hâte de le monter. Comme ça, je le monte, je mets mes petits trucs dessus et je vous prendrai en photo. Je le mettrai à la fin de vidéo, la déco. Pareil pour l'autre truc que je vais vous montrer après. Après, j'ai pris un dentifrice. Voilà, Signal. J'adore cette marque. Alors, c'est Signal Intégral 8 ou 9 8, 9 8 Je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, j'adore Signal. C'est un bon dentifrice, une belle marque. Et par contre, il m'a coûté pas très cher. Que je vous dise pas de bêtises. Sinon, au pire, c'est pas grave. Je vous le mettrai en barre d'infos. Dentifrice Signal. Ben écoutez, je l'ai plus. Il m'a coûté dans les centimes, je crois 59 centimes, ou un truc comme ça. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos exactement les prix. Après, je me suis pris des petits stylos à pointe fine. À plusieurs tailles, mais c'est des pointes fines. Voilà, comme ça, en couleur métallique rose gold. Alors, j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, j'adore en plus. Quand je vends sur Vinted, en général, je marque, je fais toujours un petit mot dans un petit colis. Et j'aime bien marquer avec des feuilles de couleur, des choses comme ça. Et j'adore que c'est magnifique. Et là, apparemment, il y a plusieurs tailles de mine. Il y a 2,0 mm, 3,5 mm ou 5,0 mm. Vous avez tous les détails des mines ici. Et la couleur, elle doit être magnifique. En fait, voir si je... Et c'était le dernier. Oh mince, je me suis fait le dernier. Il faut le faire. Hein. J'ai mon gel, je crois qu'il va falloir que je le change. Oh, ça m'embête. Alors, on va prendre celui-là, le plus grand. Ouh, ah oui. En fait, c'est comme un screener celui-là.
Bah, on aura des offres alors. Il est plus un peu moins gros. Ah mais du coup moi c'est en fait c'est pas des stylos en fait, c'est pour faire des calligraphies, un truc comme ça. Bon c'est pas grave, je m'adapterai. C'est pas. Et lui il est moins gros, vous avez vu? Je sais pas si. Voilà, on voit mieux. Non, franchement, pas déçu. Après, à voir ce que ça donne. Oula, j'ai l'eau au pied. On verra bien. Et il m'a coûté dans les centimes aussi, 99 centimes, un truc comme ça. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos vraiment les prix. Je suis dégoûtée. Mon semi permanent, il est en train de partir. Je suis dégoûtée. Après, je me suis pris un mascara. Pareil, il m'a coûté dans les centimes, 99 centimes, un truc comme ça, ou 69 centimes. Pareil, je vous mettrai exactement le prix en barre d'infos. Voilà. Alors, par contre, je sais pas. La brosse aussi, elle est super. Bon, après, c'est pas grave. Je m'adapte. Mais j'ai une préférence en brosse pas fine, épais. Vous savez, en poil là. Je suis en train de faire une catastrophe. Je suis en train de m'embêter. La vidéo va durer 1000 ans. Je suis désolée. Bah alors, il ne veut pas sortir de son emballage. Bon, c'est moi qui n'ai pas de force. Maxime mort. Ah oui, ça va. C'est les poils. Vous avez vu? Voilà. Bon, on verra bien. C'est la première fois que j'achète mascara chez Action. On verra bien. Pareil, il m'a coûté dans les centimes. Je vous marquerai en plus en détail. Après, voilà, on arrive à ce que je vous ai dit. J'ai acheté un petit plateau en bois, comme ça. En fait, c'est pour mettre sur ma table basse. Et en fait, ce que je ferai, c'est que j'ai deux bougies que je mets sur ma table basse. Pareil, que je les mettrai au milieu. Et au milieu, je mettrai le bougeoir comme ça, voilà, comme ça, avec deux bougies que j'ai déjà ici, voilà. Et le plateau m'a coûté dans les 1,60€, 1,69€, un truc comme ça. Voilà, il est en bois, je peux vous dire qu'il est bien en bois, voilà. Et je l'ai pris en grise. Elle existait en blanche, en noir ou en gris, voilà, super joli. Taille, il fait 39 x 14 fois en hauteur 3 cm. Voilà, en bois, il écrit quoi dessus? Plateau en bois, ouais, c'est ça, plateau en bois. Et c'est vraiment en bois. Franchement, on le voit, parce que ça s'entraîne, ça. Voilà, voilà. Après, je me suis pris, voilà, le truc que je vous ai disais. Déco, alors là il y a brillant noir, là c'est des petites flèches, là c'est des petits carreaux, là c'est des petits traits, vous savez, comme ça là, je vais vous montrer, voilà. Et là c'est des petites lignes rose et or, voilà, pareil, je l'ai adoré, j'adore ça, c'est pas perdu, ça sert toujours, pareil dans les centimes. Après, j'ai pris un collier pour mon chat parce que je l'avais acheté un comme ça, en tout noir, et il me l'a fracassé. En fait, il s'amuse avec mon autre chat, Mimi. Et en fait, il s'amuse, et comme c'est du tissu, avec les griffes, ben, ça a tout. Ça s'est tout effilé en fait, et c'est pas très beau. Du coup, j'en ai repris un, mais là, cette fois, je l'ai pris en bleu. Bon, en même temps, l'autre, ça fait un an que je l'ai acheté, un peu plus d'un an. Franchement, il a vécu. Donc, du coup, voilà. Et pareil, il m'a coûté dans les centimes, à peu près dans les 59 centimes, un truc comme ça. Voilà, voilà. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'ici, je rajoute la petite clochette et le pendentif avec les coordonnées, mes coordonnées, tout ça. S'ils sortent, bon, ils sortent pas, mais on sait jamais si je laisse la fenêtre ouverte et que, ben, ils ont. Jusqu'à maintenant, j'ai la moustiquaire, du coup, ils passent pas. Mais si un jour j'ai le malheur d'oublier de remettre la moustiquaire et qu'ils sortent, au moins, s'ils se partent dans le village, on peut m'appeler. Si il tombe sur des gens honnêtes. Hein. Voilà.
Parce que ici, avec les gens, je sais pas trop. Ok, pas trop glamour, mais ce qu'il faut, j'ai pris les sacs poubelles, 50 litres, voilà. La marque du 1000. Franchement, après, c'est un sac poubelle, hein. On va pas rester 1000 ans dessus. Je me suis pris des. Comment on appelle ça? Des brassières. Parce qu'il m'en fallait, parce que celui que j'avais, il m'a gonflé. Parce qu'en fait, au niveau des. Il y a les coques. Et les coques, quand ils s'enlèvent pas. Et en fait, j'ai oublié de faire le point au milieu pour pas que ça bouge dans tous les sens. Malheureusement, je l'ai foutu à la machine à laver. Et j'ai les coques, j'en ai un qui est parti de l'autre côté, l'autre il est tout froissé, j'arrive pas à le remettre. J'ai dit, ah ouais, tu sais quoi, allez hop, poubelle. M'a gonflé. J'ai passé des heures de sort pour essayer de le remettre correctement, ça m'a gonflé. Du coup, j'en ai plus. De tous les cas, je l'ai mis à la poubelle parce qu'il était même plus. Ouais, il était potable, mais il m'allait trop grand, vu que j'ai maigri. Du coup, voilà. Du coup, j'en ai acheté deux. Un noir et un gris. Voilà. Il coûtait 2 euros. 2 euros, 2 euros. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, 2,79 €. Voilà, j'ai pris taille SM. C'est ce que je fais vers le haut. Parce que une fois j'ai pris le M et le L, j'ai déjà essayé et ça m'a trop grand. Du coup, j'ai pris SM. Je pense que j'espère que c'est bon. C'est la marque SB sans sabel. Voilà. Alors, je vais enlever un, comme ça vous allez voir, je vais prendre le gris pour vous montrer en détail comment il est. Parce que moi aussi, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu comme ça. Parce qu'il y a le dessin en fait là. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coque. Ça, c'est bien. Au moins, j'ai pu me prendre la tête à le remettre comme il faut. J'ai mon chat, il se met toujours sur les chaussures. Je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous le montrer. Il est toujours au niveau des chaussures. Regardez pas le bazar. Voilà, monsieur qui se met toujours sur les chaussures. Il adore les chaussures. Je pense qu'il devait être dans son autre monde. Il devait être cordonnier ou un truc comme ça. J'ai l'autre qui arrive. Voilà. Hop, je vous tourne vers moi. Voilà. Petit moment de chat. Comme je disais la dernière fois, je vous promets que je vous le montre, mais chaque fois il s'échappe. Alors, pour une fois qu'il est calme. Voilà la brassière. Ben, en fin de compte, il n'y a pas de coque. Du coup, voilà. Elle est super légère. Élastique ici. Non, franchement, elle a l'air bien. L'arrière est comme ça. Voilà. Non, elle a l'air super bien. Même, vous avez vu le devant. Il y a l'élastique qui. Voilà. Vous n'êtes pas même pas obligé, je pense, de mettre un soutien-gorge. Il va vous soutenir. Bah, oh, je vais y arriver. C'est horrible. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Je suis debout depuis 6 h du matin. Je suis fracassée. Et du coup, bah, quand je suis fracassée, j'ai du mal à parler. C'est l'horreur. Voilà. Et le noir, il est pareil. Après, je vais vous rapprocher. Parce que du coup. Voilà. Après, ça va, ça n'échappe pas. Je me suis pris des housses de couette pour cet hiver. J'ai craqué dessus, même si ça ne va pas ensemble, je m'en fous. Parce que celui-là, par exemple, il est super beau. Il est doux. C'est tout doux. Oh, bien sûr, c'est pas pour maintenant. C'est pour cet hiver. Hein, c'est pour cet hiver. Pareil avec fermeture à zip. Voilà. Et j'ai pas pris l'autre parce que j'ai pas trouvé. Il y en avait un le même, mais les rayures elles étaient vertes. Ça allait pas avec ma déco. Là, elle est un peu, c'est beige. Du coup, c'est super joli. Du coup, j'ai pas trouvé le deuxième, mais c'est pas grave. J'en ai d'autres que je mets qui ressemblent à peu près dans ce style-là. Je le mettrai avec. C'est pas grave. Il est super joli, pareil. Alors j'en ai un qui m'a coûté moins cher que l'autre. Alors attendez. Housse de coussin Isabelle. Que je ne dise pas Isabelle. Ah ben d'accord. Isabelle. Elle s'appelle Isabelle, lui? Ah, même pas. Bon alors, je vais vous dire au pif, tant pis. Alors il y a une housse. Il y a une housse de coussin qui m'a coûté 2,99 € et l'autre 0,98 centimes. Bon, il y a un décalage, mais c'est pas grave, hein.
Voilà, je vous dis pas, je vous dis, je sais pas lequel des deux. Je pense que celui-là il m'a coûté 2,80 €. Bah alors. Ou 2,99 €. Je pense que c'est lui qui m'a coûté le plus cher. Et l'autre, que je vous montre, pareil, façon tout doux. Lui, il me semble qu'il m'a coûté dans les centimes. Voilà, il est super joli, pareil. Avec le zip. Voilà, et il est super beau. Les étoiles, tout doux. Et dans les étoiles, ça fait un petit tissu. Oui, pilou pilou. Et là, c'est tout, c'est un tissu. Voilà, avec des étoiles. Et je l'ai trouvé trop beau. Pareil, c'était le dernier. Du coup, j'ai. Ou alors, c'est que j'ai mal cherché. Super joli. Par contre, cette marque, elle me dit quelque chose. Je pense. Ah, mais attendez. Eh ben oui, les housses coussins que j'ai, les roses avec les trios blancs, c'est ceux d'Action que j'avais acheté quand j'étais montée à Vichy. Et oui, c'est la même marque que je me disais que ça. Je me disais quelque chose cette marque, mais c'est vrai que les deux housses de coussin que j'ai dans mon salon actuel, je les avais achetées à Action aussi. C'est voilà. J'ai craqué dessus, je sais que c'est pas le moment, mais tant pis, j'ai craqué dessus. Et comme c'est là où je suis allée, c'est pas à côté de chez moi, du coup, je dis non, je les prends de suite, comme ça je les ai. Et voilà. Alors, ce que je vous disais. Alors, non, c'est. Alors, l'autre, c'est pas la même marque. Là, j'ai repris du thé, comme je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai pris en agrumes. Ben là, je l'ai pris en pêche, il me semble. Le vrai, en fait. Voilà. J'en ai pris un comme ça et un comme ça en agrumes. Coup pareil. 99 centimes la bouteille. Franchement, ça vaut le coup parce que la bouteille, elle est assez grande. Combien elle fait? C'est une bouteille de combien ça? Ben alors, c'est marqué où? Ah, 100 millilitres. C'est de 100 millilitres. Franchement, ça vaut le coup pour 99 centimes. C'est pour ça que j'en ai pris deux comme ça. Et j'ai pris la marque Lipton. La marque Lipton. Mais au thé vert, il me semble. Oui, au thé vert. Pareil, 99 centimes. Et celle-là, il me semble qu'elle est plus grande que celle que. Oh, à la pêche de. Pour ça, et quoi? On va faire la taille comme ça. Ouais, elle est un peu plus grande de, je pense, de 10 cm. Et voilà. Je suis contente. J'ai mes petites boissons rafraîchissantes. J'aime bien l'été boire ça. J'adore. C'est un truc. Je raffole les petits thés comme ça. Moi, l'été, je bois que ça. Le café, j'en bois. Ouais, le matin. Et encore, je bois mon café de la marque que je vends. Du coup, je bois plus ça. Mais le matin, j'en bois plus parce qu'il fait trop chaud. En fait, là, l'été, tout ce qui est chaud, le matin, j'en bois plus. Ce que je fais, c'est que soit je me bois un thé froid, que je me fais moi, le thé. Ou alors, je bois un jus d'orange, un jus de fruits, un truc comme ça. Et la journée, je bois un peu d'eau. Mais là, généralement, je bois du thé comme ça, comme le Lipton, le thé que je vous ai montré derrière. Je bois que ça parce que l'eau me donne pas envie. C'est, je sais pas, ça me coupe pas la soif, en fait. Du coup, voilà. Vous allez me dire que ça, c'est n'importe quoi, ou tu dis n'importe quoi, ben c'est la vérité. Voilà. Après, l'avant-dernier article, il me semble. Ouais, l'avant-dernier. Il m'a giclé dessus. Ah, oh, j'espère qu'il n'est pas cassé. Voilà, je l'ai mal fermé. Il a été mal fermé. Bon, c'est pas grave. J'ai pris ce petit produit d'entretien. Je le vois de partout dans toutes les vidéos à Action que tout le monde fait. Et franchement, il n'y a eu que des bons retours. Ça sent bon. À la rose. Rose Marie. Ah non, ça c'est la marque. C'est où le senteur? Bon, j'ai pris au pif, hein, dans tous les cas. J'ai pris au pif. Du coup, j'ai pris ça pour tester dans ma cuisine. Et laver. Parce que généralement, quand je vois les vidéos des youtubeuses. Qui vont Action et qui prennent ce produit-là, ils lavent tout en fait, leur cuisine, la salle de bain, tout en fait. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais le tester moi aussi. Parce que quand la dernière fois, je suis montée à Action à Vichy chez ma grand-mère, il y en avait plus. Du coup, j'ai pas eu pu le prendre. Et là, comme j'ai vu qu'il y avait un Action un peu plus loin de chez moi,
C'est pas à côté. J'ai vu qu'il y en avait. Ouh, j'ai les prix. Hein. J'ai dit au moins je teste. J'en prends un au moins que je teste. Mais j'ai l'impression que c'est aux fruits. Mais ça sent bon. Oh là là, comme ça sent bon. On verra bien. Dans les filles, alors si les filles disent que c'est super, on verra bien. Je vais tester. Pareil, il m'a coûté dans les 2 euros et quelques quoi, à peu près. Ou 1 euro. Je vous dirai ça un peu plus en profondeur dans la barre d'infos. Oh, c'est l'horreur, j'arrive plus à parler. C'est horrible. Et pour le dernier article, j'ai pris un fond de teint mat. J'espère que j'ai pris la bonne teinte. J'ai pris la teinte soft beige. Généralement, c'est ce que je prends pour dans toutes les marques parce que j'ai une peau claire. Du coup, voilà, la 127. Voilà, mat. On verra bien s'il fait son job. C'est la première fois que je prends mon fond de teint chez Action. Généralement, la dernière fois que j'ai. Le dernier fond de teint que j'ai pris, c'est un Maxi Bazar. Et j'en suis contente parce qu'il couvre bien. Là, j'ai vu fond de teint mat chez Action. J'ai dit, tiens, je vais le tester. Et il m'a coûté pas très cher. Fond de teint. Il m'a coûté d'aller 1 euro et quelques, 1,39 € un truc comme ça. Je marque en barre d'infos pareil. Voilà. Pareil. Il fait combien celui-là? Le tube, c'est combien? 30 millilitres. Voilà. Bon, ben on verra bien s'il fait bien son job, s'il dit bien qu'il est mat et qu'il couvre bien. Attendez, je vais voir. Je vais le tester sur ma main. Sinon, c'est pas grave si ça va pas. Je fais tout tomber. Faut que j'aille me reposer en fait. Là, ça veut dire Cassandra, ton corps. Je vais mettre un peu. Oh, j'espère que ça va aller. Bon, bah, il a l'air d'être bien. Il a l'air d'être à ma teinte. Voilà, il se travaille bien. Il est crémeux. Après, j'ai peur parce que la dernière fois que j'avais acheté, c'était quand? Ouais, c'est. Ah, en plus, ces deux marques, le fond de teint, je l'avais pris à la pharmacie. Et en fait, je sais pas ce qui se passe, c'est que je l'avais mis sur mon visage et mon visage, j'avais l'impression qu'il collait. Mais un truc de fou. Alors, soit c'est moi qui l'ai mal appliqué, mais je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, je l'ai quand même mis plusieurs fois. Je me suis dit, bon, peut-être que je l'ai mal étalé, du coup, je l'ai recommencé. Et ça me fait toujours le même effet. J'ai la peau qui brille et qui colle. C'est l'horreur. Et là, non. Après, c'est sur ma main. On verra bien sur mon visage. Alors, je ne le mets pas maintenant parce que moi, l'été, je ne mets pas de fond de teint. Mais je le mettrai pour cet hiver, pour la rentrée des classes. Moi, l'été, je ne mets pas de fond de teint. Je n'y poudre rien du tout. Je laisse nature. Je laisse un peu ma peau respirer. Il y a juste les yeux que je me maquille, les yeux et les lèvres. C'est tout. Et encore, les lèvres, c'est rare. Mais voilà. Voilà pour le dernier article. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je vous donne du retour sur le produit. Et voilà. Et les bougies. Et les bougies pour vous dire aussi quand je fais diffuser ça sent ou pas dans la maison. Je vous le dirai aussi. Ben, je vous le dirai. Au tout tard. Ou bien demandez-moi, au bout d'un moment dans la vidéo, demandez-moi si ça sent ou pas. Et je vous répondrai en commentaire. Je réponds toujours. Ou si je regarde, mais après je vous réponds. Dans tous les cas, je vous répondrai. Voilà. Par contre, sur les boissons. Ça, je ne vous ferai pas de retour parce que j'adore. Comme c'est pas la sous-marque, je pourrais vous dire mon retour. Je vous le dis de suite, j'adore. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous ferai la photo de ma table basse avec la déco, plus le meuble monté. Je vous ferai la photo et je vous la mettrai en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour voir les photos. Et ben voilà, écoutez, les feutres, ben, il n'y a pas de retour. Je vous ferai un retour aussi sur le fond de teint. Mais ça sera sur l'hiver ou au pire, ça sera sur. Je compte vous faire une vidéo sur produits terminés. Comme ça, je peux vous dire mes ressentis de mes produits vides. Alors, du coup, j'en ai deux. Pour le moment, je vais pas vous faire une vidéo rien que pour deux produits. J'attends d'avoir beaucoup de produits, on va dire à peu près 10 produits à peu près vides. Comme ça, je peux faire une belle vidéo avec mon ressenti sur les produits terminés. Il y aura de la beauté, il y aura. Produits d'entretien, il y aura des shampoings, il y aura de tout. Voilà, je vous ferai un peu de tout, comme ça, il n'y aura pas que un truc. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner et à clencher la petite cloche pour
Mais quand je publie, vous êtes signalé de la nouvelle vidéo que j'aurai publiée. Pardon. Et si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en barre de en commentaire et je vous répondrai volontiers. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.